tu veux faire mettre un slip pour. Salut à tous, c'est Nasty. Aujourd'hui, on se retrouve pour un gameplay complet en T26, donc le tank de réserve russe. Vous allez voir, je vais pas faire un trop mauvais score, je vais pas me faire trop défoncer. Ce jeu demande un apprentissage, ça c'est sûr, vous devez connaître vos modèles, vous devez connaître un peu les maps, et surtout vous ne devez pas rusher, ça sert à rien, ce sont des tanks, pas des Formule 1, donc si vous rushez, vous vous retrouvez avec 3 ennemis devant vous, le temps de faire demi-tour, le temps de vous reculer, vous allez vous faire défoncer, donc ça c'est un truc à garder en tête. Allez, je vous laisse le gameplay comme ça, comme il est, sans modification, comme ça vous verrez un peu comment une partie se passe, et on se retrouve à la fin de la vidéo. Parce que t'es en train d'essayer de ramer un mec. Mais c'est quoi ça? C'est pas un tank! C'est une unité toute plate sans canon! C'est un stock, c'est un stock 3. C'est un tank. C'est un tourmèche-gus! Par contre, j'ai une arme, mais je ne sais pas à quoi elle sert. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'elle sort à 2 bonbonnes de gaz. What? Eh bien, c'est une double bonbonne de gaz moutarde, balance-le sur les tanks, ça ne va pas les tuer. Amuse-toi! HF! Merci. C'est quoi les trucs qui volent au-dessus là? C'est des parachutistes. Ce sont des avions IA. Qui vont venir nous péter le cul. Est-ce ça? Pas encore été touché une seule fois par eux. Mais vas-y l'allié, tire-moi dessus, c'est tellement chouette. Oh, ça m'a l'air de la prostituée. Mais comment est-ce qu'on vit sur. Moi, le canon. Ah! You have been killed, Vanjie Polonon! J'ai eu one chat, j'ai même pas vu où il était. What the fuck? C'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle. Je ne trouve pas ça drôle du tout. Geoffrey, moi je suis venu pour piloter des avions. Bah tu resteras pour piloter des tanks. Non, je vais arrêter ce parc-ci. C'est pas drôle. Unité de surface, des trucs cool. Un petit kill. Putain, non, mais 10 km/h quoi, allô, mais avance, c'est tellement lent. Oh my god, j'ai envie de vomir. J'ai tellement mieux à faire que de rouler en tank dans la campagne. 14 km/h later. Prends l'avantage. Oh my god, mais t'as pas. Et quand tu te dis cool, putain, j'ai réussi à faire 500 mètres, tu te fais one shot. Ok, 10 mètres. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bordel de merde. Ah, Christ, Dieu. Tu viens de me fracasser le tympan là. Excuse. Mais ça bug à leur viseur là. Oh putain. Ça bug tellement cette merde. Putain, j'ai plus bougé, mec. Tu t'es pas fait fracasser ton moteur, un truc comme ça? Le driver est inconscient. Comment est-ce possible? C'est un tank. This is a tank. Putain. Oh my god, je push dans leur clan. C'est bon, j'ai plus rien à faire, moi. Je suis bloqué. Par des campeurs qui restent tout le temps au même endroit. Oh putain, c'est tellement lent. Je peux plus avancer à plus de 6 km/h. Pas si spécialement cool. Moi je vois rien, je sais pas du tout ce qui se passe.
vois absolument rien. What the fuck? Parabellum, t'es mal. Bon, allez, au revoir, c'est bon. Les ennemis, ils sont à 200 mètres, mais what? Je les vois tellement pas. Je les vois okay. Tellement pas, quoi. Ils sont tellement loin, finalement. Que je vais me faire one shot par un canon de 20 là. Dans mes baffles, moi je vous parle sur mon casque. Normal. It's alright, computer. It's alright. Ouch. Gary, comment tu t'en sors toi? Pour le moment, j'en suis à mon premier tank d'utiliser. Pareil, je viens seulement de me faire tuer. Unité de surface détruite. Cool. J'en suis à mon troisième kill là. Yes. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un gameplay plutôt lent. Mais quand vous commencez à gérer, c'est vraiment super sympa. 0 kill, 3 fois mort. Surtout, gardez en tête que ce sont des tanks, donc vous devez tenir vos positions. Vous pouvez pas rusher comme des cochons, vous êtes obligé de rester à un certain endroit. Le temps d'être sûr que la position est sécurisée et que vous pouvez traverser un champ libre. Sinon, vous allez vous faire évidemment complètement allumer. Voilà, vous avez entendu, Cam est pas super persuadé qu'il va apprécier ce jeu. Mais moi personnellement je m'amuse assez fort. Donc il y a des parties qui peuvent très mal tourner, mais il y a des parties qui peuvent vraiment être super sympas. Voilà, alors on se retrouve une prochaine fois pour d'autres gameplays.